Bonjour. Bon, il est 8h, je sais pas trop combien. Il est 8h09, je suis à la gare, je viens d'arriver, mon papa m'a emmenée. Il y en a pour 1h10 de train, quelque chose comme ça. Plus un petit peu, mais ils annoncent beau aujourd'hui, donc j'ai été un petit peu dans le rush finalement pour ma tenue. Je vous raconterai peut-être pourquoi, mais à la base j'avais pas du tout prévu de mettre ça, mais bon. J'ai pas trop eu le choix. Mon train est à 8h25 pour Paris-Montparnasse et ensuite j'aurai un petit peu de métro à prendre et j'arriverai à mon cabinet. Je suis pas très stressée, franchement ça va. C'est une bonne journée, je suis motivée. On prend Paris-Montparnasse voie 2. Je suis arrivée à Paris. Ça s'est très bien passé, le trajet. Maintenant, on va aller au cabinet, en métro. Votre attention, s'il vous plaît. Je me sens en sécurité et les wagons étaient quasiment vides. Je viens de recevoir un mail. Je sais pas si vous m'entendez. Je viens de recevoir un mail de l'associé parce que j'ai envoyé un mail pour le prévenir que j'arriverai à 10h aujourd'hui. Là il est 9h55, un truc comme ça. Il m'a répondu. J'ai failli tomber. Il m'a dit ok, mais moi j'arriverai que à 11h30 parce que j'ai des conclusions à finir avant. Et voilà, la bonne tourisienne, n'importe quoi, touriste. Je sais pas du tout maintenant où je dois aller. Là, je pense que ça c'est l'Arc de Triomphe. C'est très très joli. J'ai mon petit sac. C'est plutôt cool, je me sens bien. Je me sens pas stressée, tout va bien. Il est 21h20 et je rentre enfin chez moi. Franchement, je suis KO, je suis explosée. Là, le ciel est beau, il fait encore chaud, je suis encore en petite veste. Bon, on rentre. Franchement, ça fait du bien de rentrer dans ma ville. Ça sent meilleur. Il y a un air plus frais, moins pollué. Franchement, à Paris, ça va une journée. C'est super sympa, surtout aujourd'hui, c'est tellement beau. Et avec la tour Eiffel, les beaux quartiers et tout, c'était super. Le cabinet, incroyable. Mais ça reste Paris. Ça pue, il y a beaucoup de monde. Je suis fatiguée. Coucou! Trop contente de rentrer. Bonjour Phoenix d'amour. Vous m'avez manqué. Je me suis fait contrôler dans le dernier train. Parce que j'ai raté mon train, je vous ai pas dit. Oui. J'ai raté mon train à cause du métro, bien sûr. Et j'étais pas partie hyper en avance parce que je voulais aller aux toilettes et dire au revoir à l'équipe avant. Du coup, sauf que le problème c'est que l'équipe, le cabinet il est géant. Donc pour faire l'équipe, ça m'a pris beaucoup de temps d'aller voir tout le monde. Le métro, ticket de métro c'était plus valide donc j'ai dû reprendre une carte Navigo.
le métro, je sais pas pourquoi, à deux stations, il s'arrêtait, il faisait genre veuillez patienter quelques minutes, machin, alors que j'avais déjà pas le temps, j'allais rater le train. Après, j'ai tapé mon meilleur sprint et le train est parti juste devant moi. Après, j'ai attendu une heure du coup à la gare Montparnasse. Il fait encore grave chaud, hein. Pourtant il est 21h. Mmh. Oula, mais ça, ils font n'importe quoi. Oh là là, c'est quoi ça? Non mais. Viens, bébé. Il a été sage, Phoenix? Il est un peu beaucoup le collant. T'as été sage? Oh là, c'est ce qu'il fait. Oula, c'est quoi cette tête? Oh là. Oula. Mais non, mais il faut le faire descendre. Est-ce que t'as été sage, Phoenix? Non, pas trop là. Non, pas trop, il est très collant. C'est une tête spéciale, Phoenix. Hein. J'ai pas dit, mais en fait, j'ai un truc ticket restaurant. Une carte, et j'ai voulu l'utiliser du coup aujourd'hui. Pourquoi il va chier pile poil quand je parle? Oh là là, non, mais la vignette il creuse un tunnel. Oh là, là. Où il a évacué les lieux. On évacue, attends. C'est parti. Vite, sors de là la vignette, dépêche-toi. Et c'est 50% remboursé, enfin 50% de ma poche et 50% c'est l'employeur qui prend. Donc du coup j'ai voulu le prendre pour ce midi, pour aller prendre mon sandwich. J'ai pris ma carte, j'ai pris tout ce qu'il fallait, machin. J'ai pas pris mon code. C'est une carte genre sans contact et tu peux faire avec Google Pay. Sauf que pour la toute première utilisation, ils demandent à ce que tu saisisses le code. Moi, j'ai fait les courses. J'ai acheté pour ce soir, pour se faire le plaisir, des petits donuts. Mais par contre, ils sont fourrés. Hein? Mais non, pourquoi? Mais par contre, ça saigne. Pourquoi fourré? Non, ça va là. Si, ça sent le sang. D'accord. Là j'ai acheté un gros sachet comme ça pour la binette. Ça me fait trop mal. J'ai acheté un truc de fromage. Hey. Bon, j'espère que vous allez bien. Il est à présent 11h17 et on est mardi. Je vous avais pas repris depuis hier. Et attendez, parce que j'ai reçu un message en chat avec mon avocate. Donc je vais lui répondre. Donc voilà, j'ai été prise en fait dans mon job ce matin parce que je devais faire des recherches encore sur des conclusions. Je vais vous raconter un peu toute l'organisation et tout parce que je savais pas que ça allait se passer comme ça. Et là aujourd'hui je suis en télétravail. Franchement je suis trop contente d'être en télétravail parce que c'est quand même cool. Parce que bah, j'ai quand même les avantages du cabinet. Bon, il y a quelques trucs qui sont quand même super cool au cabinet et que j'ai pas chez moi. Mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients quand même d'y aller en fait là-bas. Parce que oui, c'est cool, je vois Paris, il fait beau, machin machin. Mais enfin, faut quand même que je me tape 1h30 de train. Je rentre très tard chez moi, je prends le métro, ce que j'aime pas trop trop. Donc une journée à Paris comme ça, en aller-retour sur une journée, c'est très fatigant. Au cabinet, il y a des distributeurs d'eau gazeuse, de soda, gratuit, enfin c'est en libre service, il y a des petits gâteaux, il y a une bonne ambiance, il y a un cadre de travail juste incroyable, vraiment c'est magnifique, les bureaux sont incroyables, c'est immense, du coup on peut déjeuner en équipe, papoter, c'est plus facile aussi pour discuter parce que du coup on est dans le même bureau avec deux avocates, même si là je vois que sur Teams elles sont hyper réactives, donc je pense que ça va pas poser de problème. J'ai vraiment de la chance d'être dans cette équipe. Voilà, ça s'est super bien passé. Là j'ai juste un peu la pression parce que je viens de communiquer mes conclusions à l'avocate, je sais pas ce qu'elle va en penser. Demain j'y retourne en présentiel et normalement je vais devoir aussi voir l'associé parce que hier je devais le voir mais en fait il a eu des urgences et il est passé en coup de vent vraiment histoire de me dire bonjour. Mais en tout cas là j'y suis depuis ce matin, va peut-être falloir que je mette mes temps. J'ai accès à Gestisoft qui est un logiciel de gestion de cabinet. Il faut que je mette un petit commentaire à chaque fois. Fin de la rédaction des conclusions d'incident. Là je vais commencer un nouveau truc que l'avocate vient de me donner. Il m'a envoyé un document de 30 pages. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle journée. Aujourd'hui on est mercredi et je retourne à Paris. Là je suis en train de me préparer et là je suis en train plutôt de préparer mon sac pour aller à la gare. Là il est 6h19, je me suis levée à 5h30 et mon train est à 6h44. Je vais vous emmener de toute façon avec moi dans cette nouvelle journée. J'aurais aimé plus vous emmener avec moi hier mais en fait j'avais plus de place sur ma carte mémoire dans mon appareil photo. Et donc du coup j'ai dû vider et en fait c'est pas si simple avec cette caméra là vu que c'est en 4K. Il y a tout un process à faire de compression, des fichiers etc. Du coup hier j'ai pas trop pu filmer ni vous raconter ma journée du coup de lundi. Aujourd'hui j'ai fait un make-up très simple, voilà juste en plus du mat avec un tout petit trait fait
au fard à paupières. Et j'ai fait une petite coiffure simple aussi. Je suis contente, en vrai. Hier, j'avais pas du tout envie de retourner à Paris. Mais là, aujourd'hui, je suis contente d'y aller. J'ai hâte de revoir, du coup, mes collègues, de retourner au cabinet, tout ça, tout ça. Et en plus, ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Parce que je me suis dit... Quand je vais arriver à 8h30 à la gare Montparnasse, ça va être un enfer parce que c'est l'heure vraiment où les gens commencent. Donc il va y avoir énormément de monde. Et au métro, j'arriverai jamais à avoir un ticket de métro. Et en fait, du coup, j'ai cherché ce matin et j'ai réussi à trouver des cartes Navigo que j'avais achetées la dernière fois que j'étais allée à Paris. Et il y en a une des deux normalement qui est chargée. Donc je sais pas laquelle c'est, il va falloir que je teste. Vraiment, je suis trop heureuse. Quand j'ai vu ça ce matin, j'étais en mode... Oh. Désolée pour la lumière mais il est tôt. En plus j'ai pas beaucoup dormi parce que je me suis couchée à 00h30. Donc je suis un petit peu fatiguée et ce soir je rentre qu'à 20h. C'est une grosse journée. Je vais prendre un petit donut que Maëlle m'a acheté pour le petit déjeuner ce matin. Comme ça je prendrai un petit déj au cab. Je me suis fait une petite truc comme ça de pâte aux courgettes, mon plat préféré. Et bien sûr, trois choses très importantes que j'ai déjà prises qu'il faut jamais oublier pour moi, c'est mes cartes Navigo, mon pass pour rentrer dans le cabinet et ma carte de ticket restaurant. De vous montrer un petit peu mon look du jour. Donc comme je vous l'ai dit, petit queue de cheval avec un petit nœud. Mon jean, c'est le même que la dernière fois, c'est un jean beige classique avec mes Stan. En haut j'ai mis une petite veste qui est en fait marron. Voilà, en fait c'est un marron comme ça, un peu d'un. Et en dessous un t-shirt classique gris. Voilà. Je suis arrivée. Je suis trop contente. Vous voyez, il y a la tour Eiffel là, juste au bout de la rue. Vraiment, c'est très beau ici. C'est très joli, je suis trop contente. Je vais prendre une petite photo vu que ce matin j'ai le temps de me poser. Donc je vais en profiter. Et il n'y avait personne dans le métro. Alors qu'il était 8h15, je m'attendais à ce qu'il y ait la foule. Et au final, personne. Donc j'étais très contente. Et mon pass Navigo est passé, donc tout va bien. Bon, je suis à la gare. Je sais pas trop si vous allez m'entendre parce que bah, y a beaucoup de bruit. En plus le train a du retard, là j'attends qu'il soit figé sur la voie. Et là il est 6h24. Donc je pense que ça devrait pas tarder. Il est censé partir à 43 mais a priori il a 5 minutes de retard. Je suis KO et je commence à avoir un petit peu mal à la tête. J'ai hâte de rentrer chez moi. Je fais du télétravail demain et après-demain. Je reviens à Paris que lundi. Donc... C'est une bonne nouvelle, même si j'ai kiffé ma journée, je vous raconte ça ce soir. Je suis désolée quand je suis au cabinet comme ça à Paris, c'est plus compliqué. Hier, normalement, j'aurais pu plus vous filmer, mais j'ai pas pu à cause de ma carte mémoire qui était pleine, comme je vous ai dit ce matin. Mais sinon, la plupart du temps, je pourrais vous filmer plus facilement. Mais par contre, quand je suis à Paris, c'est compliqué parce que bah, je suis avec l'équipe tout le temps, même le midi. Mais c'était une journée très cool, mais là, je vous avoue, je suis très fatiguée. Et la semaine prochaine, je reviens qu'une seule fois en présentiel à Paris le lundi. Donc ça va déjà être un petit peu plus reposant. Et en plus, le jeudi, c'est férié. Ce sont des très bonnes nouvelles. J'aimerais bien dans le train, j'espère que j'ai une place dans le bon sens. Parce que sur la SNCF, même des fois, quand tu demandes des places dans le sens de la marche, tu les as pas. Et ça, c'est très chiant. Parce que moi, je suis malade dans l'autre sens. Donc je suis toujours obligée de demander aux gens. C'est très chiant. Je suis vraiment contente que la journée soit finie. Parce que là, je suis vraiment, vraiment fatiguée. J'espère que je vais pas avoir de migraine ce soir. Bonjour. Bon, je suis à la gare d'Angers, comme vous pouvez peut-être le voir. Je suis au bout de ma vie. Ça me fait peur, les gens qui sont au volant et qui regardent absolument pas la route. À un passage piéton, j'ai toujours l'impression qu'ils vont avancer et m'écraser. Il est 20h15, j'ai pas beaucoup de marche, mais je suis très contente de rentrer. Mais je suis très contente parce que pendant ce trajet en train, j'ai réussi à faire du montage et j'ai même réussi à plutôt bien avancer. Et comme d'habitude, je n'étais pas bien sûr dans le bon sens. J'ai dû demander à un monsieur qui était déjà installé et tout de se mettre en face et pour prendre sa place. Bon, par contre, j'ai tenté le montage, mais j'avoue que ça m'a fait peut-être encore plus mal à la tête au niveau du mal des transports et tout. Et ce midi, j'ai mangé au restaurant. C'est pas du tout prévu en plus. J'avais emmené un truc de pâtes. Le cabinet m'a invité au restaurant. Donc franchement, l'ambiance de l'équipe, elle est ouf. Au début, je me suis dit, oh, flemme, j'ai emmené mon truc.
Je suis végétarienne, donc aller au restaurant, ça va être relou. L'associé avait choisi un restaurant, c'était un bistrot. Un petit bistrot parisien en terrasse. Et après, je me suis dit, ouais, mais c'est quand même important et tout pour m'intégrer. Du coup, il y avait deux collabs, celles avec lesquelles je suis tout le temps, qui sont dans mon bureau. Il y en a une troisième dans notre équipe. Sauf que là, elle était en expertise, je sais plus où, au Mans, je crois. Il y avait l'autre stagiaire qui part fin juin, l'associé, qu'on voit très rarement, parce qu'il est beaucoup pris. Et l'assistante juridique. Franchement, trop bonne ambiance. Mais vraiment, ils sont trop gentils. Je suis tombée... C'est des pépites, vraiment. J'ai trop faim. J'ai la dalle. Je suis enfin rentrée à la maison. J'en peux plus. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est jeudi. Je suis mais fatiguée alors que je me suis levée à 9h. Bon, on va commencer la journée avec un tout petit peu de skincare. Histoire de dire, sachant que j'étais censée faire quelque chose ce matin et que je viens de recevoir un message de l'avocate qui m'a dit au final on l'a fait hier soir. Donc en gros je vais plus à le faire quoi. Donc je sais pas trop pourquoi elles l'ont fait hier soir parce que j'avais demandé si c'était pressé et elles m'ont dit non, donc tu pourras le faire demain. Donc bon bref, peu importe. En tout cas ça fait que j'ai plus rien à faire du coup. Pour l'instant les avocates m'ont rien donné à faire et en plus mon avocate... J'ai dit référente, c'est pas vraiment référente, mais celle avec laquelle je suis le plus. Et en déplacement aujourd'hui, au Havre, donc sans doute qu'elle va pas me donner de boulot ou quoi à faire aujourd'hui. Là, on va faire juste un tout petit peu de skincare. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le visage. On va faire un petit truc de typologie. C'est un gel nettoyant. Un petit gel que j'aime bien faire. Voilà, j'en mets pas énormément. On met sur... le visage. Et ça mousse un petit peu, comme vous pouvez le voir. Ça fait du bien, j'adore faire ça. Il a pas trop d'odeur. Par contre, il marche super bien. Voilà, je le laisse poser un petit peu. Et je fais comme ça là, parce que ça rafraîchit. Faut faire attention, parce qu'une fois que vous l'avez mis, il tire énormément la peau. Tu sens que ta peau est clairement liftée, quoi. Du coup, ça peut tirer vraiment et pas être très agréable. Donc après, faut tout de suite hydrater. Je vais aller chercher mon téléphone pour voir si j'ai un chat de l'avocate qui m'a envoyé le message ce matin pour me dire que c'était déjà terminé, pour voir si elle m'a pas envoyé autre chose à faire. J'espère que je vais avoir des conclusions ou des trucs comme ça à faire. Hello! Non, il n'y a rien. Il est 9h16. Bon là, on va pas attendre 1500 ans avec ce gel là, mais là par contre, quand vous attendez, là vous voyez, ça fait pas hyper longtemps que je l'ai quand même. Et là, il est entièrement dans ma peau, genre je fais ça. Il n'y a rien du tout sur mon doigt. Il est totalement incrusté dans ma peau. Je trouve ça incroyable. Ça s'incruste tellement vite. Le matin, j'aime bien avoir cette sensation. Même quand je me maquille pas. Parce que je sais pas vous, mais moi, je suis habituée à me maquiller. Pas tous les jours, mais on va dire 5 jours là, dans la semaine. Les jours où je me maquille pas, souvent, j'ai l'impression que je suis pas réveillée. Et j'aime pas cette sensation, en fait. Un peu comme quand tu restes en pyjama toute la journée, tu vois. Faire son petit skincare comme ça, ça permet au moins le matin. Je peux... me sentir bien et réveillée et fraîche, tu vois ce que je veux dire. Je prends avec un petit pinceau parce que quand je mets mes ongles après... Ah mais non, j'ai plus d'ongles. J'avais oublié. Et souvent j'ai les ongles très longs et du coup c'est chiant parce qu'après ça se met sous les ongles. Et moi j'adore les crèmes qui sont vraiment grasses. Donc voilà, j'ai une bonne sensation, je me sens mieux réveillée. C'est cool, maintenant on va s'habiller quand même parce que rester avec juste ce t-shirt toute la journée, nope. On va laver les lunettes aussi. Comme ça après on voit super bien dedans, même si elles se ressalissent au bout de 4 secondes. Moi je les mets juste sous l'eau. Tac. Oh bah il y a mon pantalon que là. Je pense que je vais mettre ce pantalon. Il fait chaud dans l'appart, il doit faire 24. Et j'ai pas non plus envie de me mettre en short sinon j'ai froid. Donc ça c'est un très bon compromis. C'est un pantalon vraiment tout léger et qui est super confortable. Mais je crois que j'ai pas mis de flou derrière. Ah voilà, là il y a un flou. Est-ce que vous voyez la différence quand même? Ah, il fait moins chaud aujourd'hui. Donc hier, je suis arrivée beaucoup plus tôt que prévu parce que le seul train qui n'était pas complet en deuxième classe, c'était celui de qui arrivait à 8h10 en général. Moi, j'arrive à 9h30. J'ai trouvé un t-shirt. On va se mettre ça. Tadam ! Et voilà ! J'aurais bien aimé manger un donut comme hier. C'était trop bon. Sauf qu'on n'en a plus. Tu viens ? On va jouer ? Coucou Phoenix d'amour.
Oh non, Iris, qu'est-ce que t'as fait là? Non mais n'importe quoi. Regardez ce bordel. Oula, 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 oula. Voilà. Du coup là je suis en train de me connecter en fait à mon espace sur mon PC parce que en fait comment ça fonctionne quand je suis à distance, c'est un PC à distance, donc globalement c'est vraiment un truc sommaire, hein. Il y a un VPN, je vais vous montrer, il n'y a rien qui est confidentiel ici. J'ai mon bureau, mon accès à distance comme à mon bureau en présentiel là-bas. Et j'ai tous les logiciels que je vais utiliser le plus, donc avec Teams, sachant que Teams ce qui est chiant c'est qu'avec le contrôle à distance, quand on fait des visios, le son ne passe pas. Et donc du coup, il faut passer par Teams version téléphone. G6Soft, qui est notre logiciel de gestion où il y a tous les dossiers dedans. Edge pour les PDF, Adobe Acrobat pour les PDF aussi. Word, enfin en fait j'ai tous les trucs basiques du cabinet. Pour l'instant, ça marche clairement super bien. Ok, donc en fait, ils m'ont envoyé, enfin ils sont envoyés entre eux et ils m'ont mis en copie l'analyse du coup de l'avenant. Parce qu'en fait, je vous explique ce qu'elle m'avait confié hier. En gros, c'était un contrat de méthanisation. Des usines où vous importez, je schématise, hein, des déchets et ensuite ça crée du biogaz écologique, on va dire. L'associée est une des avocates avec lesquelles je travaille qui fait beaucoup de dossiers en méthanisation. Et donc en fait l'histoire c'était de créer une usine, sauf que on avait conclu un contrat en 2019 avec eux qui prévoyait plein de trucs sur le prix, sur quand est-ce qu'on doit payer, sur qu'est-ce que comprend l'usine exactement, sur voilà, tous les détails. En fait le contrat fait une quarantaine de pages je crois. Je devais moi faire un tableau comparatif du contrat initial avec ce que la partie adverse veut modifier, enfin adverse, on n'est pas dans du contentieux là, on est dans du conseil, pour qu'on voit si pour nous ça nous va ou pas et si on accepte la révision du contrat ou pas. C'est un avenant en fait. Franchement j'aurais jamais fait aussi bien qu'elles l'ont fait parce qu'elles ont fait un truc de ouf. Et globalement dans ce cabinet je trouve que la qualité des écritures elle est incroyable, vraiment. Envoyer un message sur Teams pour savoir si elle a un truc à me donner. En fait, vous savez, dans les assignations ou dans les actes en général, au début, vous avez le nom des parties, appelant, intimé, demandant, demandeur, etc., etc. Pour les personnes physiques, il faut remplir avec leur adresse, leur âge, est-ce qu'elles sont mariées, etc., etc. Et pour les personnes morales, il faut remplir avec, je sais pas, société par action simplifiée, au capital de tatata, immatriculé au RCS de telle ville, au numéro tatata. Et en fait ça c'est important parce que après l'huissier se sert de ça pour faire respecter l'assignation et la notifier à tout le monde, la signifier, etc. Et là il y avait dans un acte une quinzaine de sociétés différentes et fallait faire du coup tout ce blabla là en faisant des recherches sur Infogreffe où vous trouvez toutes les infos sur les sociétés sauf le capital social qui est sur société.com. Et du coup j'ai fait ça hier matin. Ensuite après ça j'ai commencé à avoir des conclusions avec une fille qui est stagiaire. Ça fait presque 6 mois je crois qu'elle est là. Elle travaillait sur un dossier nous on représente dans notre cabinet un vendeur de fuel, notre transporteur, je sais pas comment il s'est débrouillé mais en tout cas il y a eu une énorme fuite de fuel chez le client. Et donc ça a aspergé toute une façade et le client lui-même de fuel. Et donc en fait nous, le client, donc la victime du coup, nous a signé en tant que vendeur. Sauf que nous c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité du transporteur. Donc on a mis le transporteur dans la cause. Et sauf que ce transporteur là a dit bah vous êtes bien gentil mais en fait c'est prescrit. Si le tribunal reconnaît que vraiment c'est prescrit, et ben en fait la victime n'aura aucun moyen de se faire indemniser de ses préjudices qui sont avant tout matériels. Déjà le client a attendu longtemps avant de nous assigner. Sauf que la prescription c'est une prescription annale, donc en un an. Le régime du transport c'est un régime particulier. C'est l'article 133-6 du code de commerce qui le prévoit. Cet article là est très particulier dans sa construction parce que le premier alinéa de l'article dit les actions de tatata tatata, il liste une plan d'action, sont soumises à la prescription annale. Donc là il y a une liste limitative, sauf que l'alinéa suivant, l'alinéa 2, dit toutes les autres actions qui naissent du contrat de transport nanana sont aussi en gros concerné par cette prescription. Il y a eu un incident qui a été soulevé, l'incident portant sur bah en fait c'est prescrit. On a dit bah écoutez, de 1 c'est pas notre responsabilité, et même pour monsieur machin la victime, en fait c'est pas prescrit, parce que l'article 133-6 ne s'applique qu'au cas de tatata tatata, le truc de l'alinéa 1. Et on a cité quelques jurisprudences vieilles, trucs comme ça, que la jurisprudence est unanime et constante là-dessus, et la loi clairement elle-même est unanime là-dessus aussi. Clairement ça s'applique
pas que aux 3 cas de l'alinéa 1, ça s'applique à toutes les actions. On a tenté et le juge a prononcé une ordonnance qui est clairement en notre faveur, c'est-à-dire qu'il a clairement reconnu, oui ça s'applique que à machin machin machin. La partie adverse s'est dit, mais le juge, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas vrai du tout, il y a l'alinéa 2, il y a toute la jurisprudence, patati patata. Donc ils ont bien sûr interjeté appel et en plus on les a déjà eu dans un autre dossier pour exactement les mêmes faits, pour exactement la même question de prescription sur l'article 133-6, et ils ont gagné dans ce dossier-là, ce qui est normal, clairement on n'a aucune chance de gagner là-dessus. On doit rédiger les conclusions d'appel, on ne peut pas faire plus parce qu'en fait on a cherché toute la matinée et toute l'après-midi avec la stagiaire des jurisprudences, on était dans tous les sens. Ensuite on a fait une espèce de réunion un peu d'équipe avec les deux avocates, on s'est creusé la tête à quatre pendant bien une demi-heure pour essayer de trouver des idées et tout, c'était super intéressant, c'était un peu genre un brainstorming. J'aime bien cette équipe aussi parce qu'ils travaillent énormément en équipe. Voilà ce qui s'est passé hier. Après mardi en télétravail, j'ai beaucoup travaillé sur un dossier. J'ai fait des conclusions d'incidents que j'avais déjà commencé lundi. Lundi, j'ai fait pas mal de trucs, franchement, je sais même plus. Donc on m'a présenté le cabinet, on m'a présenté tout le monde. J'ai fait aussi des trucs la paperasse administrative, hein, activer mes nouveaux comptes, tickets restaurant, mes nouveaux trucs sur Outlook, sur Teams. Ensuite j'ai fait une recherche juridique pour ma collab, donc l'avocate avec laquelle je suis le plus, dans un dossier de préjudice corpo. Je vais en fait vérifier dans un bail commercial s'il y avait des informations sur... parce qu'en fait nous on est une chaîne de magasins. Une cliente s'est cassée la gueule dans le magasin, enfin elle a dit que c'est dans le magasin, donc elle nous a assigné en réparation de son préjudice. En disant qu'elle avait glissé sur un déchet aux caisses du magasin. Non c'est pas ça, non ça c'est l'autre dossier, je me confonds parce qu'on a beaucoup de dossiers en ce... Mais là... C'était une dame qui était tombée dans le hall d'entrée de la galerie commerciale. Vous voyez, il y a le tourniquet là quand vous rentrez dans une galerie commerciale et elle était tombée à peu près à cet endroit-là. Et donc je devais vérifier dans le bail commercial que nous on a, parce que nous en tant qu'hypermarché, on loue en fait les locaux de notre hypermarché à une société qui possède tout le centre commercial, y compris les parties communes d'un centre commercial étant... Bah, les dégagements, donc tout le couloir en fait au milieu, les galeries quoi, et le hall. Et donc là la personne était tombée parce que c'était mal nettoyé ou ça venait d'être nettoyé. Elle avait pas vu que c'était mouillé, elle s'est cassée la gueule. Nous assigne nous parce que dans sa tête, bah, elle venait dans notre hypermarché, donc elle s'est dit c'est nous. La dame est tombée dans les parties communes du centre commercial, mais pas dans notre magasin. Je devais regarder dans le bail qu'on avait passé nous avec la société qui nous loue, avec notre propriétaire, pour regarder s'il y avait des clauses particulières par rapport au nettoyage. En fait, on a un droit, on a seulement un droit d'usage qui est partagé, c'est pas du tout notre responsabilité. Et sur le nettoyage, on paye des charges sur les parties communes pour qu'ils s'occupent du nettoyage, et il y a des clauses particulières là-dessus et tout. Donc je devais regarder ça et dire en gros quelle était l'étendue de notre responsabilité. J'ai dû faire en fait un petit mémo, enfin un petit résumé de tout ce que j'avais trouvé à mon avocate. Et elle m'a dit, non au final tourne-le comme si tu expliquais à la cliente ce que tu avais retenu du bail commercial. Donc j'ai fait ça. En fait elle a envoyé mon mail à la cliente directement. J'étais genre en mode, mais what, je suis là depuis genre 2 heures. Midi j'avais rien emmené à manger, du coup je suis allée à une petite boulangerie à côté. Franchement c'était trop bon. J'ai pris un sandwich aux graines là, j'adore ça, c'est trop bon. Avec mozza, tomate et une espèce d'huile d'olive mais douce. Enfin c'était trop bon, vraiment trop trop. Je suis allée chercher ça et en fait après on a mangé avec mon avocate. À la base on devait manger tous ensemble dans la salle de réunion... dans une salle de réunion du cabinet. Mais au final, les filles ont eu une urgence, donc j'ai pu manger qu'avec cette avocate-là, mais elle est adorable, on a passé un super bon moment. Et l'après-midi, j'ai été au pôle informatique, parce qu'ils devaient me configurer tout mon PC et tout, pour mettre le VPN, patati patata. Et après, j'ai commencé à rédiger des conclusions d'incidents, j'en avais jamais fait. Et alors ça, c'était quoi comme dossier? C'était ce que je vous disais tout à l'heure, avec la femme qui tombe aux caisses à cause d'un déchet. Sauf que normalement quand ça se passe comme ça, vous devez faire une déclaration de sinistre. Là, il n'y a pas eu de déclaration de sinistre qui a été faite. On a eu qu'un espèce de papier qui est une attestation de déclaration que la victime a remplie. Elle met même pas l'endroit où elle est tombée. On est incapable de savoir si c'est aux caisses, en face de la bijouterie, dans la galerie ou dans notre magasin. Sauf que ça change tout parce que si c'est dans notre magasin, ok, on est responsable. Si c'est pas dans notre magasin, on n'est pas responsable. La partie adverse a produit des conclusions d'incident en communication de pièces. Il demande que le juge nous ordonne de produire la déclaration de sinistre. Sauf que nous, on n'a pas cette déclaration de sinistre. On ne l'a pas, notre client ne nous l'a pas donnée, elle n'existe pas. Donc du coup, moi, les conclusions d'incident que j'ai dû faire, c'est
en disant, bah en fait, c'est pas qu'on veut pas vous les transmettre, c'est qu'on peut pas, on ne les a pas. Pas nous condamner non plus à une astreinte parce qu'ils demandent une astreinte. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait lundi. Et là, je viens de recevoir un message de la stagiaire qui me dit, tu as pu avancer sur le tableau des délais en appel ou pas? Ce tableau, c'est un enfer. Je suis censée faire un tableau récapitulatif des délais en appel. Je me suis tapé la dernière fois 2 heures de procédure civile. Les délais en appel, mise en état là, j'avais la tête en bouillie et c'est pas super intéressant. On va voir. Mais si j'ai ça à faire aujourd'hui, ça va être chiant. J'ai l'impression que la lumière elle est jolie là, non? J'ai l'impression que c'est plus joli que les lumières de tout à l'heure. Ouais, pas de soucis. Ouais ouais, je t'entends bien. Mais dans ça, j'ai que les deux seuls délais que j'ai en fait, c'est signification de la déclaration d'appel et remise des conclusions. Je sais pas s'il y en a d'autres que les filles voulaient ou... Présent 9h20. Je me suis levée un petit peu plus tôt que prévu aussi. J'ai un call à 9h30 avec l'autre stagiaire. Hier, je vous ai pas filmé, mais parce que concrètement, j'ai pas fait grand chose. Mon maître de stage, c'est l'associé. Moi, je suis dans l'équipe environnement et risque industriel. La majorité des matières qu'on va faire, c'est du risque industriel. Donc, globalement, c'est des usines qui explosent, des trucs comme ça. Droit de l'environnement, par exemple, je vous ai parlé hier de la méthanisation. Du droit pharmaceutique. On va faire aussi beaucoup de responsabilités. Beaucoup, beaucoup. C'est un pôle de civil en vrai. Et beaucoup de responsabilités avec notamment du dommage corpo, du droit des assurances et du droit de la construction. J'y avais pas mal touché dans mon précédent stage qui était spécialisé en droit de l'immobilier et droit de la construction et j'avais beaucoup aimé, donc j'espère pouvoir en faire un petit peu là. Et en fait dans mon pôle, donc le pôle qui s'appelle risque, vous avez en haut l'associé que je vois pas beaucoup parce qu'il est beaucoup en déplacement, mais là j'ai pu le voir quand même avant-hier quand j'étais à Paris. On a fait une réunion d'équipe avec l'associé, on a mangé tous ensemble au restaurant, etc. Il est très très sympa. Avant-hier quand on allait au restaurant et même l'après-midi, il n'y avait pas énormément de boulot et donc quand je suis rentrée, j'ai pu vraiment discuter avec tout le monde. Et dans mon pôle, c'est un peu un microcosme, mon équipe, dans le cabinet. Après il y a sans doute d'autres équipes qui sont pareilles et qui fonctionnent aussi bien. Beaucoup appris sur le fonctionnement du cabinet, sur le rôle de chacun, sur voilà, le fonctionnement vraiment plus en interne. En ce moment en plus il y a une discussion autour d'un changement de locaux, d'un changement de charte graphique du cabinet, avec un changement de logo, de couleur, etc., etc. Donc c'était super intéressant. Vraiment mon équipe est tellement bienveillante. Et donc hier j'ai pas pu beaucoup travailler, clairement j'ai dû travailler peut-être 3 heures dans ma journée. D'ailleurs j'ai oublié de rentrer mes temps, mais quand c'est comme ça je sais pas trop quoi rentrer comme temps parce que je n'ai pas marqué que j'ai passé 7 heures à faire un truc bidon que j'ai fait en réalité en 3 heures. J'ai demandé du travail et tout le monde était occupé. Je vais vous montrer après, mais il y a un petit mail qui est envoyé à tout le cabinet et il y a ma photo dessus, c'est trop marrant. Hier j'ai finalisé mon tableau des délais d'appel, je l'ai transféré à l'autre stagiaire pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Là on va avoir un call dans une minute avec elle. Ah, elle m'appelle. Salut! Ouais, ça va, et toi? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Bon voilà. Bon, c'était assez rapide, c'était un call juste pour m'expliquer un peu le contexte de la mission qu'on m'a donnée. En fait, on a un client très récurrent qui voudrait qu'on fasse des modèles de conclusion pour le référé et pour le fond. En fait, on réutilise un peu tout le temps la même chose, la même jurisprudence, les mêmes trucs, machin, pour qu'en fait ça aille plus vite et qu'on ait juste à remplir les trous selon bah, chaque dossier en fait. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je cherche du coup sur Doctrine si la JP est toujours d'actualité, s'il y a des JP plus récentes, parce qu'on va toujours favoriser des JP plus récentes. Il faut que j'actualise un peu en fait tout le côté JP dans les modèles. J'espère avoir des trucs à rédiger bientôt parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus. Dans mes stages, je me rends compte que les opportunités ont fait que j'ai eu que des stages en civil, même si c'est assez différent, genre construction, immobilier et là risque et surtout environnement, responsabilité et tout. Là, ce que je fais là, je l'ai jamais fait en stage, mais ça reste du civil, tous mes stages en fait. C'est là que je me rends compte qu'en fait le mode de fonctionnement du civil et de l'avocat en droit civil, très généralement, contrairement au pénal ou après le public, ça peut être pas mal aussi. Je me rends compte que j'ai de moins en moins envie de faire des trucs comme du pénal. J'aime beaucoup être dans mon bureau, j'aime beaucoup rédiger, j'aime beaucoup chercher, me creuser la tête,
J'aime pas trop sortir, aller au tribunal et tout. Enfin, si j'y vais une fois dans la semaine, ça me va. J'aimerais bien quand même plaider de temps en temps, mais pas faire que du conseil. J'aime beaucoup, voilà, faire du fond, réfléchir, écrire, lire. Enfin, voilà, tout ça, en fait, faire de la, un peu de la recherche, entre guillemets, apprendre dans chaque dossier et tout. C'est ça qui me plaît vraiment le plus. Pour vous expliquer un peu, dans mon équipe, il y a donc l'associé tout en haut, comme je vous ai dit. Ensuite, il y a quatre collaboratrices. Il y en a une, elle est en congé maladie, donc elle est pas là. J'ai son bureau actuellement là-bas. La collaboratrice avec laquelle je suis le plus, qui fait surtout du droit pharmaceutique, de la responsabilité et du dommage corpo. Une autre collaboratrice qui fait surtout de la méthanisation et de la construction. Et l'autre collaboratrice, mais qui est dans un autre bureau, qui est plutôt affiliée à l'autre stagiaire que je viens d'avoir là en call. Elle a été énormément en déplacement là, donc je ne l'ai pas trop vue. Et après, on a aussi une assistante qui est pour notre pôle. Et voilà, ça c'est notre équipe. Et moi. Je vais vous montrer là ce que je viens de recevoir comme mail, c'est trop marrant. Vous aimez bien ce make-up? Je fais jamais de make-up comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça assez joli en fait. Voilà le petit mail qu'on a reçu. Lilou, stagiaire dans l'équipe risque et environnement industriel. Et là, il y a ma petite tête. Je trouve ça trop cute. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day. It seems like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep... Hey! Bon, il est midi 43. Je pense que je vais pas tarder là à aller manger parce que je vous avoue, j'ai très 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 faim. Ce matin, j'ai bien bossé, je suis contente. J'ai commencé à 9h30 et là, il est midi 45. Donc 10h30, 11h30, midi et demi. Fait 3h20. Mais là j'ai été super efficace, je suis trop contente. Du coup là j'ai reçu le modèle de conclusion, mais j'ai complété beaucoup de choses. En fait dès que je vois qu'il y a une jurisprudence, si elle est un peu trop ancienne, genre avant 2015-2016, j'essaie de trouver une jurisprudence pareille mais plus récente. Sauf si c'est une jurisprudence de principe, où à ce moment-là parfois je cherche pas forcément une autre jurisprudence. Je donne un exemple tout simple, hein. Dans notre modèle, la collab avait marqué que si la déclaration d'accident avait été signée par un proche de la victime, il fallait que le juge l'apprécie avec plus de circonspection. En gros, il peut y avoir un manque d'objectivité si c'est genre le fils, la mère ou machin qui l'ont écrit. Et le seul arrêt qu'on avait, c'était pour les concubins. Moi, j'ai cherché aussi d'autres arrêts en fonction du lien de parenté. Et j'ai trouvé même une jurisprudence qui dit « Il appartient au juge d'apprécier la force probante des témoignages qui lui sont soumis, même si ceux établis par des proches doivent être appréhendés avec circonscription. » Et en plus, c'est une jurisprudence de 2020. Et c'est une jurisprudence très 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 général. Du coup on peut la réutiliser quasiment tout le temps. Donc je cherche sur les bases de données. Mes bases de données préférées c'est Lamiline, surtout Doctrine. Là on a la chance d'avoir Doctrine au cabinet, franchement c'est génial. Je découvre Doctrine mais vraiment c'est super efficace, on trouve des jurisprudences qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres bases de données. Et à chaque fois que je fais des modifs, là je peux vous le montrer parce qu'il n'y a rien de confidentiel, à chaque fois que je fais des modifications, tout ce qui est en bleu là c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai trouvé une jurisprudence, il y avait une jurisprudence par exemple de 2005 qui était pas forcément en plus une jurisprudence vraiment de principe. J'ai rajouté ce qui est très régulièrement rappelé par la jurisprudence, par exemple Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, numéro patati patata. Là, c'est important de dire que c'est rappelé très récemment parce que 2005, ça fait un peu vieux. Et en plus, là, c'est encore un arrêt de la Cour de cassation. C'est sûr qu'un arrêt de Cour de cassation a plus de poids encore qu'un arrêt de Cour d'appel. Dans les conclusions, il suffit pas d'affirmer des trucs. Il faut aussi trouver des jurisprudences qui vont dans notre sens. Et c'est un peu un travail d'enquête, en vrai. Trouver des jurisprudences qui sont le plus récentes possible, le plus précises possible pour correspondre à ton cas d'espèce. Si possible, rendu par la Cour de cassation. Donc voilà, en gros c'est ça que j'ai fait ce matin. Cet après-midi normalement je dois peut-être aussi avoir un call avec, j'allais dire ma maître de stage. Bon je vous ai déjà expliqué mais voilà. Bon je vais vous montrer un plat aussi que moi j'aime bien faire de temps en temps. C'est une frittata. J'utilise cette recette là de frittata d'été sur menu végétarien, puisque je sais pas si vous le savez mais je suis végétarienne depuis un petit bout de temps, ça fait 4 ans maintenant. Là j'avais acheté du coup des œufs, j'avais acheté 6 œufs pour pouvoir m'en faire une, sauf que je viens de me rendre compte que j'ai toujours mes 6 œufs et j'avais acheté aussi des tomates cerises et des courgettes, des champignons et tout. Sauf que bah en fait je me suis rendu compte juste que les tomates cerises avec moi ça fait jamais long feu. Donc quand il y a une barquette ça va pas durer plus d'une journée parce que je suis complètement accro aux tomates cerises. Et donc bah en fait il me reste que les œufs. Donc c'est pas grave, je vais me faire une salade comme je fais d'habitude. Dans mes salades j'utilise toujours les mêmes ingrédients parce que c'est ma salade préférée. De la salade normale, préférence roquette ou jeune pousse. De la mozzarella.
pas 10 bouffalas, mozzarella normale. J'en mets une demi et des oignons frits parce que ça c'est trop bon. J'adore, j'ai eu une révélation il y a quelques mois pour les oignons frits. J'ai découvert ça dans le burger VG de Burger King. Mon copain il m'a obligé d'aller à Burger King pour goûter et franchement dedans il y avait des oignons frits. J'ai trouvé le burger incroyable et j'ai trouvé les oignons frits incroyables. Et depuis je ne m'en passe plus, j'en mange littéralement tous les jours avec ma vinaigrette là. Attention, ma vinaigrette c'est une recette secrète, c'est la meilleure vinaigrette du monde. Si vous faites pas la même vinaigrette, la salade aura pas du tout le même goût, hein. Je vous dis tout de suite. Et ce gros pot là, enfin il est quand même assez gros, dans le Auchan piéton qui est à côté de chez nous, il coûte 70 centimes, un truc comme ça. Alors que genre dans les supermarchés genre Leclerc et tout qui sont ici, on a trouvé des pots plus petits à 2 euros. Je vais vous montrer dans le frigo, on n'a plus rien. C'est la Hesse, mais en même temps on part demain. Voilà le frigo de la Hesse. Il n'y a plus rien à part du coca. Ma vinaigrette sacrée. Comme je vous disais, elle est dans un truc de tomate comme ça, mais c'est juste pour la conserver. Ma salade que je vais utiliser ce midi. Pour ce midi, je vais me faire juste une salade avec ce que je vous ai dit. À côté de ça, je vais me faire aussi des œufs brouillés. C'est la réunion chat ici. Actuel, c'est plus comme ça. Le but du Conseil des ministres est c'est au porte-parole de faire le compte-rendu de ce qui a été dit lors du Conseil. J'ai d'ailleurs retrouvé le porte-parole du gouvernement. Côté pour retrouver les journalistes pour rendre compte. Très bien. Et le compte-rendu, il est écrit ou... Bien, mesdames, messieurs, bonjour. C'est tenu ce matin un Conseil des ministres, à nouveau... La définition de la tenue républicaine. Le Conseil des ministres ne réglemente pas la longueur de la jupe ou du short, et heureusement d'ailleurs. J'ai dit tout à l'heure que le virus circulait... On s'est d'abord rendu à L'Aigle pour découvrir un chantier sur la fibre, rejoint par un groupe de journalistes. Après la fibre, direction Argentan dans une pharmacie. Et voilà mon petit repas, je suis très contente. Voilà, ça c'est des œufs brouillés, comme je vous disais tout à l'heure. Je trouve qu'ils ont l'air plutôt bons. Une vidéo parce que j'ai découvert une nouvelle chaîne, c'est la chaîne de Ludovic B. On regarde plein de vidéos parce qu'il fait une journée avec plein de métiers différents. Là c'est avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Donc c'est très intéressant. Et ma fameuse salade. Voilà, ça se résume comme ça. Peut-être aller, voilà, prolonger un petit peu de mise en œuvre. C'est à vous, en fait, de faire tout pour vous adapter aux autres. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les parents, c'est pas bon pour la faculté, l'image qu'elle renvoie, c'est pas bon pour vous, les autres étudiants de L3. Il faut que, de votre côté, vous gardiez ça à l'esprit. Pour votre futur, et c'est vraiment pour vous que je prends le temps de vous appeler, que vous soyez, je dirais, plus rigoureuse dans votre manière de faire. De ne pas laisser la première petite difficulté en vous disant « bon bah je laisse tomber ». Les gens s'en souviendront toujours, vous voyez, il faut vraiment être parfait, entre guillemets, du début à la fin. Gardez bien ça à l'esprit pour votre avenir, ne lâchez jamais une occasion. Quelle qu'en soit la forme. Ok. Bah écoutez, bon courage pour l'avenir. Bah merci beaucoup. Je pouvais pas passer à côté de pas vous filmer ça. C'était incroyable. C'était drôle en fait. C'était drôle. J'aurais bien voulu qu'elle continue son baratin là pour lui dire bah écoutez, il est 15h22, à 15h30 j'ai un call avec mon cabinet à Paris. Parce que là c'était un peu lunaire comme moment. En fait c'est parce que je vous explique dans ma fac qu'il y a un dispositif de parrainage qui a été mis en place cette année. Et on te mettait en relation avec un professionnel du droit en fonction de ce que tu voulais faire, ce que t'avais demandé, etc. Moi j'ai été mise en relation avec une avocate. Là on m'a dit, enfin elle m'a un peu remonté les bretelles. En gros elle est pas contente parce que j'ai pas pris contact avec l'avocate. C'est pas bon du tout pour mon image, c'est pas bon du tout pour mon avenir et que du coup cette avocate maintenant veut plus faire le dispositif de parrainage. Je comprends et je suis désolée du coup pour la fac parce que j'ai conscience que pour la fac et l'administration c'est sûr que recruter des avocats qui ont déjà pas beaucoup de temps et tout pour faire ce dispositif là gratuitement c'est pas forcément évident et que c'est une opportunité de perdu. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Déjà parce que en fait quand on m'a donné le nom de cette avocate, je crois que c'était le lendemain de cette avocate là, appelée au téléphone je crois pendant que j'étais en amphi, elle m'a appelée et elle m'a dit bah bonjour, je suis quand même étonnée mais genre presque... Tu vois, presque, elle m'engueulait limite quoi. Je suis quand même étonnée que vous m'ayez pas contacté avec le dispositif de parrainage, nanana. Je lui ai dit, bah je suis désolée mais j'ai eu votre nom hier, donc en fait attendez là la fin de semaine pour vous contacter. Souvent les avocats ont plus de temps un vendredi voilà qu'un lundi. Je l'ai recontacté par mail, je lui ai dit bah voilà maintenant j'aimerais bien convenir d'un rendez-vous avec vous pour se rencontrer, etc. Ça peut être soit à votre cabinet, moi je peux me déplacer, ou alors dans un café. J'ai jamais eu de réponse. Et j'avoue que j'ai pas en fait plus creusé que ça. Ce qu'on m'a reproché du coup c'est de pas avoir relancer la personne et tout. Le premier contact déjà a été
pas ouf. Et surtout, en fait, j'ai eu beaucoup d'autres expériences à côté qui ont été beaucoup plus enrichissantes, en fait. Et j'avais pas plus besoin, en fait, de ce dispositif-là. Enfin, il m'était plus utile. Entre-temps, j'avais fait un stage de 3 mois et demi dans un cabinet d'avocats à Angers. J'y allais 2 jours par semaine. Et donc là, j'avais plusieurs avocats autour de moi au quotidien. Je vais pas lui poser des questions auxquelles j'ai déjà les réponses. Alors après, on apprend. Le métier d'avocat, c'est tellement large qu'on apprend au fur et à mesure et qu'en fait, on apprend dans la pratique. Mais c'est pas au terme d'une interview de 30 minutes ou d'une heure quand tu connais déjà bien le métier que tu vas apprendre des choses. Enfin, je pense pas. Souvent, quand t'apprends le plus sur le métier, c'est quand tu le pratiques. Et c'est quand t'es dans les cabinets d'avocats, en stage, etc. Là, une petite interview comme ça, c'est nickel pour une personne qui connaît pas et qui veut découvrir un nouveau métier, ou qui connaît pas ce métier-là, qui a jamais fait de stage, qui a jamais eu l'opportunité, parce qu'il faut aussi les trouver, les opportunités. Pour avoir un premier point de vue sur le métier, ça c'est génial, et franchement, je trouve ça super qu'ils aient fait ce dispositif. Je voyais plus trop l'utilité, d'autant plus que j'avais pas eu un contact de ouf avec elle, alors que dans mon cabinet, ça se passait super bien. La moindre question que j'avais, je la posais là-bas. Et en plus, à côté de ça, après, j'ai fait l'étude de marché. Alors là, c'était pire, parce que l'étude de marché, je l'ai faite pendant 2 mois. J'interviewais environ 10 avocats par semaine, tout le pays entier, de tous les barreaux, de toutes les spécialités, de tous les âges. J'ai interviewé des dizaines et des dizaines d'avocats de tous bords. Et c'est là que j'ai énormément appris. J'ai rencontré le bâtonnier à Angers, j'ai rencontré des anciens bâtonniers à Paris. Enfin, c'était mon quotidien. Ça m'est un peu sorti de la tête. En parallèle de l'étude de marché, je faisais à peu près 10-15 heures par semaine pour l'entreprise et l'étude de marché. Le reste du temps, j'étais à la fac, j'avais mes galops d'essai, j'avais mes partiels, j'avais mon contrôle continu, j'avais mes TD à faire chaque semaine, etc. Donc c'était un sacré rythme. J'avoue, j'ai pas pensé à relancer encore et encore l'avocate. C'est que je me suis énormément investie en fait cette année là-dedans. Et surtout, ce que j'ai moyennement apprécié, enfin, ce qui m'a fait plus rire, c'est juste la manière dont c'était dit. Quand je vous ai filmé, en fait, c'était déjà fini le côté un peu moralisateur et tout. J'ai mis trop de temps à attraper ma caméra. C'est dommage que vous ayez raté ça parce que franchement, c'était assez ouf. Elle a dit, vous savez, le monde professionnel, c'est pas si simple, les informations ça tourne vite, et puis quand vous êtes au contact d'avocat, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Enfin, elle me prenait vraiment pour une meuf qui y connaît rien. Et surtout après, elle m'a dit, mais vous savez, pour postuler à des stages après, de toute façon, ce qu'on va regarder, c'est pas vos notes, c'est votre savoir-être. Alors non. Je pense que les gens à la fac ont une conception des choses un peu erronée parce qu'en fait ils n'ont jamais été dans le milieu pro. Il y a des profs à la fac qui n'ont jamais mis le pied dans le milieu des avocats. Je suis un peu désolée de dire ça, mais je pense qu'avec toutes les recherches de stage que j'ai fait, le nombre de cabinets que j'ai fait, que j'ai rencontré, etc., notamment dans l'étude de marché, là on peut pas dire que j'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Et le dernier stage que j'ai trouvé dans lequel je suis actuellement, c'est un truc mais inespéré, et j'ai été prise que... Je dis bien que parce que j'ai fait ce projet-là entrepreneurial, sinon j'aurais jamais été prise. Et là, je le vois, il y a que des gens qui sont en master, en école des avocats, etc. Et c'est pas mon savoir-être. Enfin, elle m'a dit en mode, c'est vraiment un conseil pour votre avenir, c'est super important parce que là, vraiment, ça va pas du tout comme attitude pour... Enfin, en gros, c'est ça qu'elle m'a dit. Hein. Un ton un peu genre, je te dis comment ça se passe dans le milieu des avocats, alors que... J'ai quand même une bonne expérience là-dedans et je vois que ça se passe pas comme ça. C'est pas juste ton savoir-être, parce qu'en fait il y a plein de juristes et de gens en L3 qui ont beaucoup de savoir-être. Ça y fait, c'est sûr, sauf que c'est pas ça qui va nous démarquer. Venir me faire un peu la leçon sur des trucs qu'elle connaît pas, alors que bah moi je connais quand même vraiment bien maintenant ce sujet-là. J'ai trouvé ça un peu marrant, tu vois. Voilà, je trouve que ça a tendance plus à te faire perdre confiance en toi. C'est pas des bons conseils. Il y a 1 ou 2 ans tu m'aurais dit ça, j'aurais paniqué. J'aurais été en mode mais... Je me suis grillée, comment je vais faire, tous les avocats vont parler de moi. Enfin vraiment, la manière dont elle l'a dit, pour quelqu'un qui côtoie pas ce milieu-là, qui sait pas comment ça fonctionne, franchement c'est super stressant. Hein. J'aurais bien voulu vous filmer la partie où vraiment elle me faisait en mode vraiment culpabiliser, en mode vraiment vous rendez pas compte pour votre image et tout. Enfin, en mode oui c'est bienveillant, c'est pour votre carrière machin, mais enfin ça par contre j'y crois pas trop parce qu'il y a quand même... Ou alors c'est juste que tu sais pas de quoi tu parles et du coup me donne pas des conseils sur ma carrière. Le CV que j'ai actuellement il est pas dingue parce que je suis qu'en L3. Mais pour quelqu'un de L3 il est déjà pas mal. Ce qui fait que j'ai été prise justement dans ce stage là dans un cabinet international. Et je pense que ce CV là je me le suis construite absolument toute seule. Et même un peu contre la faculté parce qu'au début ils voulaient même pas me laisser faire les 2 stages. Le premier c'était à temps partiel donc ils voulaient pas parce qu'ils avaient peur que mes notes à côté baissent. Genre c'est mes parents quoi. Deuxième stage c'est parce que bah, c'est en télétravail depuis la Colombie et tout. Et donc après qu'ils viennent me dire oui c'est pas bon pour votre CV machin, enfin c'est le week-end.
semaine, je suis trop contente. Là j'ai terminé du coup ma semaine, ma première semaine au cabinet. Je reste 14 semaines, là j'en ai fait une déjà. J'ai fini cet après-midi le tableau des délais d'appel. Je vais pouvoir vous le montrer parce que de toute façon il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Là je viens de rentrer mes temps et figurez-vous que j'ai fait la meilleure journée de ma semaine. Mais en même temps là il est 19h15. Voilà, je vais vous montrer ma petite saisie des temps. Voilà à quoi ressemble ma petite saisie des temps de la semaine. Donc lundi c'est normal que j'ai pas fait beaucoup parce qu'on m'a présenté le cabinet et tout ça tout ça. On va tout fermer, les mails, Outlook, machin machin, j'ai encore un nouveau mail, c'est quoi? En fait souvent les mails c'est le RPVA et tout ça. Ça c'est justement les délais d'appel, donc je voulais vous le montrer. J'ai fait ça sous format tableau et sous format mind map. Et la mind map revisitée, ça donne ça. Et donc en gros, vous avez voilà, procédure classique, procédure à bref délai, appel à jour fixe, etc. Remise des conclusions au greffe, citer l'appelant, 3 mois. Citer l'intimé, principal, incident, en réponse à un appel principal ou incident. Bref, voilà globalement ce que ça donne en format mind map. Et en format tableau, voilà, procédure classique, c'est exactement les mêmes choses. Voilà, c'est la même chose mais sous format tableau. Là on va tout fermer parce qu'on n'en a plus besoin et là du coup c'est mon bureau d'accueil qu'on va pouvoir quitter. Voilà et ça c'est mon ordinateur normal, mon ordinateur à moi avec tous mes trucs et notamment mon logiciel de montage qui est là, DaVinci Resolve. C'est la deuxième commande Uber Eats de toute ma vie mais là on avait envie et il y avait une réduction 5€ sur Uber Eats et du coup c'était le prix de la livraison donc on s'est dit bah... cool, on va tester. Ce soir on fait une soirée tranquille à la maison. Un petit épisode de Faites entrer l'accusé, je pense, ça va être cool. Je peux vous dire, il est attendu de pâte ferme. T'es attendu de pâte ferme. Comment ça? On va bien manger. Ouais, j'ai hâte en vrai. Ouais. Non mais c'est pas pour toi le Phoenix. Non mais il abuse.